Admirez le travail de l'extérieur de l'air sur cette figure, on peut les applaudir.
Et à l'extrémité droite de la formation, vous trouvez le capitaine Éric Gérard, avec à 4300 heures de vol à son actif. Il a piloté des Mirage 5 et des Mirage F1 sur les bases aériennes de Colmar et de Reims. C'est une figure physiquement très éprouvante puisqu'ils subissent une accélération négative de l'ordre de moins 3G5, suivie juste après d'une autre positive, celle-là, de plus 5G. À l'issue de cet éclatement, chaque solo emmène avec lui un équipier extérieur. Surtout les caméras pour le traitement. Attention. Pour son élégance, je vous laisse admirer le magnifique effet d'enroulement créé par les fumigènes. Le secret de fabrication consiste pour les trois équipiers à reproduire rigoureusement le geste de la trajectoire du leader avec un décalage de quelques secondes à peine. Je vous ai annoncé trois coordonnées. En fait, le second solo a été caché derrière le leader. Solo. Effectuer tous ensemble une impressionnante percussion. Ce groupe de quatre avions se séparent, un solo et un extérieur partent de chaque côté de la piste. On se permettra de vitesse de rapprochement. Attention, le feu de pluie, la position de flash. Attention, conversion de l'UTE. Et oui, ça va vite. Regardez face à vous, le bas savant revient. Regardez le charognon. La tête rassemblée que c'est un nouveau départ en bourse. 100 mètres au départ, 1500 mètres au sommet, 600 km en bas, 200 km par heure en haut. Ce bon solo va passer sur le nez, voilà, qui est fait. Tout le monde est avec les agents. On va faire la sortie, tout le monde est libre, on retourne dans le solo. Eh oui, il mérite vos applaudissements. Le second solo, c'est le capitaine Antoine Moé. Troisième année au centre de la Patrouille de France, 3600 heures de vol. Je vais s'envoler sur la tranche ainsi que sur le dos. Les deux intérieurs ont effectué une barrique. Les deux extérieurs vont se mettre sur la tranche. Voilà, et le charbonneur sur le dos. Sortie de la tranche. Les barriques extérieures. Les deux, mais les deux, bien sûr. La patrouille nous a présenté la shérif. Et ils vont revenir de chaque côté de la piste. Là, maintenant, le temps de vous présenter le numéro 9, car il y a en effet 8 Alpha Jet dans le ciel, mais il y a 9 pilotes à la patrouille de France. À droite, une maison, le capitaine Moé, casse sur la dos, à gauche, fumée rouge, capitaine Terra, sur la dos également, comme Et dernier croisement des solos, le temps passe très très vite avec la patrouille de France. Et regardez face à vous la formation principale qui vous présente le croisement de patrouille. Cette figure va faire tic-tac les aiguilles d'une horloge. Prenez le soleil et le rythme et passe alternativement sur le dos et sur le ventre. Alors que son coéquipier tourne autour de lui, c'est un type de l'efficacité de la spirale. On peut vraiment les applaudir, les deux solos, sur cette formidable mise en scène. D'autres émotions vont, je l'espère, vous submerger. Et oui, devant vous, la formation principale est partie en boucle. Ils se séparent pour former les deux lobes du fond. À droite, le commandant Koulibaly avec les deux extérieurs. Voilà le magnifique cœur que je dédie aujourd'hui aux mamans. Aux mamans qui sont toutes là avec leurs enfants. Regardez.
monde une magnifique flèche. Voilà, virtuose de la voltige, grand professionnel de la mécanique aéronautique. Merci colonel Robin, merci au lieutenant Anne-Écoute qui nous a fait vivre la patrouille de France 2007. Alors il y a un jeune homme qui a perdu sa famille, il a disparu, non, il est là. Ça n'a pas été toujours un patriote qui a équipé la patrouille de France. Madame ?